Salut tout le monde, c'est Mrikchan, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo gaming. Brawl Stars, aujourd'hui on se retrouve pour le défi du championnat. Et comme vous le connaissez, beaucoup de youtubeurs BS en ont parlé. Il y a un nouveau défi pour le championnat. En gros, si vous réussissez à réussir les 15 victoires, vous pouvez débloquer Griff. Mais genre, faut être chaud, vous voyez, pour réussir 15 victoires, pour... Mais si on les réussit, on débloque Griff, tu vois. Mais je vous avoue que moi, je sais pas si je vais réussir à faire 15 victoires, faudrait quand même que je sois chaud. Donc, non, désolé les gars. Mais je viserais quand même, peut-être, 6 ou 7 victoires, si ce serait possible. Si parce que pour vous dire, je jouerai pas en équipe. Dans cette vidéo, je vais pas jouer en équipe, je vais jouer en random. Voilà les gars, donc c'était juste pour vous prévenir. Je vais jouer en random. Donc du coup, si j'ai des bons random, je risquerai sûrement de faire 6 ou 7 victoires. Mais en vrai, si j'ai une équipe de merde, je vais peut-être, genre, je vous avoue, pas faire plus de 2-3 victoires hein, ou 4. Mais voilà quoi, pas plus. Sachant qu'on a le droit à que 3 défaites, ça va pas être si facile que ça. Mais si je fais 6... cette victoire, franchement, je serais content. Allez les gars, c'est parti. Alors, comme vous connaissez, là, c'est tir au but. Donc, il me semble bien que pour cette compo, il faut prendre Stu. Donc, pour cette map, en Brawl Ball, déjà, il est bon Stu. Et pour cette map, Stu, il est bon. Bon, là, je sais que c'est pas de votre faute. Si vous regardez pas la vidéo en entière, je vous en veux pas. Si vous la regardez pas en entière, c'est pas grave. Vous êtes pas obligé de regarder les games que je fais. Si vous les regardez, tant mieux. Mais ça vous prend trop de temps. Si ça vous intéresse pas de regarder les parties que je fais, vous avez le droit d'avancer dans la vidéo. Mais ce qui me ferait plaisir, c'est que au moins vous voyez à chaque fois quand j'ai passé les niveaux. On a 100 pièces, grosse boîte. J'aimerais bien au moins arriver jusqu'au braquage. Si je fais plus, ce serait trop bien. Alors ici, c'est quoi? On peut être plus rapide, ouais, je préfère être plus rapide. Pour ce pouvoir star, lorsqu'il utilise sa super distance parcourue, je préfère avoir plus de distance. Ouais, les gars, plus de distance. Les gars, vous inquiétez pas aussi pour passer, rejoignez mon club qui s'appelle Emmerich Show. Vous inquiétez pas si mon gros compte n'est pas dans ce club, c'est pas grave. Il y a au moins mon petit compte, donc ça compte. S'il y a mon petit compte dans ce club... C'est que je suis toujours dans ce club, c'est que je suis toujours au soutien. Mais là, mon gros compte, je peux plus trop le laisser dans ce club. J'ai besoin d'être à des clubs à haut niveau, voilà les gars. Voilà, je suis dans un gros club, News Obstinary. J'ai un pote qui a bientôt 40 000 trophées. Il est très très fort, malheureusement, il a pas bien envie de jouer avec moi parce que on a à peu près presque 10 000 trophées d'écart. Enfin, on a 10 000 trophées d'écart, voire plus. Et j'ai peut-être... Enfin, moi, je suis fort à Brawl Stars, mais... Peut-être que apparemment j'ai peut-être pas assez de trophées pour jouer avec lui. Mais ce qui compte, c'est que je l'ai en poteau. Voilà, le mec, il a gagné 24 000 3v3. C'est vraiment une dinguerie. Et 5000 duos, c'est vraiment incroyable. Le mec, il a fait des 15 victoires. Il a fait Maniac 16 en saccage. Hein. Maniac 16 en saccage, les gars. Les brawlers, voient 33, 32, 31. Voilà, j'ai un poteau qui a plein de rang 30. Ça fait trop plaisir. Il a même eu Griff, le bâtard, là, comme il a réussi le défi. Disable. Si vous voulez le demander en avis, en ami, il y a son petit hashtag. Disable. Mais bon, c'est probablement un mec qui joue depuis 3 ans, donc c'est facile, hein. Moi, si je jouais depuis 3 ans, je serais équac, hein. Non, mais vraiment, les gars, je blague pas. Regardez, ça fait même pas un an que je joue. Même pas un an. J'ai bientôt 30 000 trouvés. Bref, je vais arrêter de parler, puis on va lancer la première game. Ok, là, on a de la compo. Attendez, on va mettre la truc. Attendez, les mecs. Hop. Ah, le bâtard. Je l'avais pas vu, en fait, les gars, j'ai pas eu le temps de voir.
qui compte, c'est qu'on perde pas. Parfait, les mecs. Parfait. Boum, là, ça sent la win. Ça sent la win. Merde. J'ai les gars, j'ai pas eu le temps d'esquiver, sincèrement, désolé. Mais là, c'était chaud. C'était chaud. Faut surtout pas que je crève. Là, je joue mal, les gars. Je joue mal. Hop. Merde. Ah, les gars, j'ai rien eu le temps de faire. Bien joué, frérot. Allez, première victoire réussie. On est pas mal. On attaque le deuxième combat, les gars. Je reviens juste 2 minutes. C'était juste pour tout à l'heure aller voir les compos. Ça enregistre toujours. Ok. Bon les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Je continue avec Stu ou pas? Ouais, en vrai, on va continuer avec Stu. À ce que je vois, c'est pas mal. Donc, voilà. Pour vous dire, je suis pas un joueur 3v3, hein, donc vous moquez pas. Puis, heureusement, on a un Emery. Hein. Eux, ils ont un primo, ça va être chaud pour nous. Esquive. Vas-y, Marc. Yes, vas-y. On a réussi, les gars. Faut continuer comme ça. Ça fait plaisir. Deuxième victoire. Réussi. Trop chaud. Allez, encore une victoire et après on passe au braquage. À vous les gars, je gère avec Stu. Hein. C'est pas mon brawler. Hein. Mais voilà quoi, j'ai pas un niveau d'un 2K. Hein. Ni d'un 10, ni d'un 15. Hein. Attendez. Mais pour vous dire, non, en vrai... J'ai le niveau d'un 20K, hein. En 3v3, j'ai le niveau d'un 20K, hein, je vous avoue. Même si j'ai presque 30K, je vous avoue que j'ai le niveau d'un 20K. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait, le Colt? Vas-y, le Colt, il est con. Putain. Mais vas-y, il est con, le Colt. Vas-y, à cause de lui, on perd. Putain. Et en plus, je joue mal à cause de Speedy. À cause de lui, on perd. Vas-y. Il sait pas jouer. Non les gars, je suis pas un pro moi en 3v3. Regardez comment je joue. Merde. Butez-le une bonne fois pour toutes là, parce qu'à cause du Colt là, je suis sûr déjà il y aurait eu un 0 là. Merde. Ah, bien. Ah, chier. Chier. Mais le mec, il sait pas jouer. Mais vas-y, mais pourquoi je suis avec des mecs qui savent pas jouer, là?
compte, c'est qu'il soit brûlé par mon feu. Voilà, super, on a perdu à cause d'eux, voilà. Je suis avec une équipe de merde. Super. Désolé pour le gros mot, mais je suis avec une équipe de merde. Voilà, super. On est avec une équipe de merde, ils savent pas jouer. À cause d'eux, on perd. Super. Putain, j'espère que je vais être avec des gens qui savent jouer, là. Vas-y. Le mec, il prend Léon. Le mec, il prend Léon. Remarque, c'est vrai que Léon, il a été assez amélioré. En plus, je joue mal. C'est une folie comment je joue mal. C'est une folie. Merde, je suis mort. Merde. Bon, allez, là, vous pouvez marquer, hein. Ils savent pas jouer. Ma parole, ils savent pas jouer. Vas-y, j'allais me faire. Je suis peut-être mort. J'ai peut-être joué comme une merde, mais l'important, c'est que je fasse aider l'équipe. J'aide l'équipe au mieux. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais comment ils savent pas jouer? Mais comment je joue mal? Oh, le mec, il est trop chaud, il a tiré entre les mecs. Attendez, les mecs, venez. Oh, comment là? Trop chaud, le mec. Oh, s'il avait marqué. Non, GG, le mec, GG au mec, là. Trop chaud. Oh, les types du siècle. Dans ta mère. Boum. Allez. Et là ça me dit que je suis nul. Et là dans les commentaires ça me dit que je suis nul. Est-ce que vous avez vu le but que je viens de mettre là? Est-ce que vous vous rendez compte là, bande de... Non, je rigole. Je parle pas à vous tous, mais je parle aux mecs qui sont cons des fois, qui regardent mes vidéos, qui sont cons. Et ben, le but que j'ai mis là, franchement je suis fier de moi. Pour un mec qui est nul en 3v3, moi, je suis en solo, moi, les gars. Ok, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non. Théma, la vidéo, elle part en pack opening. Alors, maintenant, on attaque le braquage. Alors, arrêt au stand. Ok, ça va être ça. Alors, d'après ce que je me rappelle, je crois que j'avais vu la vidéo de Tactique. Il nous avait un peu expliqué un peu comment faire la petite compo pour cette map et ce braquage. Et apparemment, faudrait qu'on prenne Colt, Belle... Et Ricochet. Moi, en vrai, je vous avoue, je suis pas trop un joueur de Ricochet. Je sais jouer Ricochet, mais je suis pas trop c'est pas mon brawler. En vrai, je vais prendre Colt parce que je maîtrise bien Colt. Je suis assez chaud avec Colt. Donc en vrai, ouais, je vais essayer de les niquer avec Colt et puis on va voir si ça va marcher. Mais pas Stu. En tout cas, on va pas prendre Stu. Colt, d'après les compos, il est bon dans cette map. Donc hop, on va prendre le truc qui casse les murs et puis pour les... Les... Attendez. Oh, ta mère! On va faire qu'il tire moins loin ou plus loin? Attends. La vitesse... Bah, celui-là, je l'ai déjà, de base. De pouvoir tard. Celui-là, je l'ai pas. Non, en vrai, vaut mieux que je sois rapide. C'est important, la vitesse de position du brûleur. Ok, parfait, les mecs. Mais elle prend Jessie. Mais quelle est conne celle-là. Mais vas-y. Mais on prend pas Jessie dans cette map. Heureusement qu'on est avec des gens nuls. Hein. Hop, on a déjà baisé leur coffre.
faut la jouer défensive maintenant. Faut la jouer. Si jamais, par exemple, les gars, je vous donne un conseil. Eh ben. Attendez. Je finis de jouer, je vous donne. C'est complètement débile ce que je viens de faire. Allez, ulti! Si par exemple vous êtes en braquage, vous n'arrivez pas à faire plus de dégâts dans le coffre, eh ben, essayez de la jouer défensive, genre en mode, parce qu'il reste à 4% pendant que vous. Eh ben. Attendez. Pop, le mec il se croit chaud. Allez, boum! Ça c'est parfait, on a baisé leur coffre. On est gagnant. Putain, on va loin quand même. On est déjà à la 4e victoire, là. Putain, les gars. Ah ouais, putain, on est déjà à la 5e victoire. Allez, 5e partie. Imaginez, les gars, on finit les 15 victoires. Eh bien, écoutez, les gars, c'est parti, hein. On n'a perdu qu'une seule fois depuis. Ok, il a l'air d'être chaud car ils ont un Colt. Ils ont un Colt, donc ça a l'air d'être chaud, là. Mais prenez un side, les mecs! Ta mère la pute! Non, mais le mec il me tue par chance! Vas-y, il saoule! T'es où, bâtard? Ok, 1v1, Colt, 1v1! Allez, ce qui compte, c'est que j'ai mis un peu de dégâts. Vas-y, saoule les mecs. Allez, boum, ça en fait des dégâts en plus. Faut la jouer défensive là. Attends pas tout de suite parce que faudrait qu'on fasse un peu plus de dégâts pour faire l'égalisation. Ah sale connard de Barley. Vas-y à cause de Lyon. Les gars aidez-moi. Vas-y oui. Super, super. De toute façon, ils étaient plus forts que nous. De toute façon, ils étaient plus forts que nous. Ils étaient plus forts. Enfin, vu leur compo, tout ça. Putain, les gars. On crève encore une seule fois et c'est foutu. Donc, on va essayer de faire de notre mieux. Puis, voilà. Hein. J'ai rien d'autre à dire, mais... Là, faut pas qu'on perde, parce que sinon, on a perdu le défi, quoi. Et ça fait pas plaisir. Non, non, les gars. Allez, allez, là, j'espère qu'on va gagner. Ah merde. Non, j'ai mal joué. Non, le mec il prend Surge. C'est mort là. Ah la pute, elle me gère. Hein. Sale pute. Vas-y, nique ta mère! Ta mère la pute, là! Connard, va! Allez, boum, dans vos mères! Gadget et on nique leur coffre!
Super, cinquième victoire. On gagne 200 pièces, les gars. Ça fait déjà 6000 pièces, les mecs. Alors maintenant, on passe à quoi? Ah non, j'ai cru on passait à siège. Non, il manque encore une victoire et on passe à siège. Allez, les gars. Il faut qu'on fasse une sixième victoire. Là, on est à la sixième partie. Ça se trouve, on va perdre, on peut pas savoir. J'aurais dû changer de brawler. Vos grand-mères, elles sont putes. Baisez vos grand-mères, elles sont putes. Putain, vos mères, elles sont putes, là. Putain, vos mères, elles sont putes, là. Enculez vos mères, elles sont putes, là. À cause de vous, on a perdu, enculé de vos mères. Bande de gros fils de pute, là. Vas-y. Non, mais vas-y. Vos grand-mères, elles sont putes. Eh ben, écoutez, les mecs, on a perdu le défi, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on ait au moins réussi à faire 5 victoires. C'est déjà pas mal. Puis, tant pis, hein, on aura perdu la 6ème. Mais en vrai, je trouve que c'est déjà pas mal. On a fait 5 victoires, et puis, on allait déjà passer à siège. Non, en vrai, je trouve ça pas mal. Allez, on va quand même screener pour garder un peu en souvenir, les mecs. Hop, comme ça, de sorte qu'on voit bien tout. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, les gars, si vous avez bien aimé cette vidéo défi du championnat, n'oubliez pas de la liker. Désolé, les mecs, j'ai pas pu avoir Griff car ça a été un peu chaud. Je vous avoue qu'en random, c'est pas facile. Bref, si vous avez aimé cette vidéo défi du championnat, n'oubliez pas de la liker. Si vous aimez bien la chaîne et les vidéos gaming que je fais, plus peut-être même les vidéos concept, n'oubliez pas de vous abonner, les frérots. Ça fait toujours plaisir, ça soutient. Puis, partagez un peu cette vidéo si elle vous plaît. Si elle vous a plu, dites-moi un peu dans les commentaires. Partagez, ça me ferait super plaisir. Sur ce, les gars, bye bye. We'll be right back.